Les parents sont toujours heureux de montrer à leurs enfants comme ils sont fiers d'eux. Mais comment faire pour que cela soit constructif? Mason a 5 ans et il apprend à faire de la bicyclette. Il porte toujours son casque et les protections pour ses coudes et ses genoux. Son père est avec lui pour l'aider à se remettre debout s'il tombe ou pour lui offrir des conseils. Aujourd'hui, Mason parvient à s'asseoir sur son vélo et à le faire avancer avec ses pieds. Son papa veille à ne pas s'extasier au moindre mouvement du garçon, car il ne veut pas créer chez lui une dépendance à cette motivation venue de l'extérieur. Si l'enfant va prendre confiance dans ses capacités, cette motivation doit venir de lui-même. Le papa résiste donc à la tentation de lui crier « bravo » et plus tard seulement, il le complimente pour sa persistance. En mettant l'accent sur les efforts et en limitant les compliments sur les réussites de l'enfant, son père permet à Mason de développer son autonomie et une saine estime de soi. Choisir ses commentaires positifs avec soin permet de souligner l'effort plutôt que le résultat.